On y va direct au charbon. Alors, c'est pas par là, c'est par en bas. Alors, je pense que je vais aller papillonner, qui veut dire, on va essayer d'atteindre le géant. Et puis la suite de l'histoire au prochain EP, quoi. Le Là, monde au-delà on va des terres découvrir un petit sacrées. peu la nouvelle map. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Donc, Qui était le Olin, tueur? Comment ils m'ont vu le dans petit son gros focus? chauve. Qui est cette femme? Si mes souvenirs sont bons. Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort? Les traces d'Olin mènent vers Méridian. Quand je l'aurai, il parlera. Moi, je suis passé par là. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Oh là là. Oh là là. C'est quoi ça? Vendeur. Ça, je sais plus ce que c'est. Go, hein. Y a pas sur la map le marchand. Tac. Voilà. Bon, on va peut-être suivre un petit peu la route quand même. Oh, c'est quoi cette tempête de sable? Y a pas de robot. C'est déjà pas mal. C'est bizarre qu'il me tue personne. Y'a pas un putain de robot. Que des dindes. Putain, je me sens vraiment tout petit, quoi. C'est grave stylé. Hop. Merci de la vie, ça. Allez. Putain, j'avais même pas vu le... What? C'est quoi? Étincelle? Non, 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 non. Alors là, non. Lumière rouge. Oh, ça race. Merci, Caillou. Et putain, bon. Reste par terre. Allez, tombe. La vache. Ce loot. Ok. Il n'y a pas trop fait mal, ça va. Prends pas un deuxième, pas un deuxième. Niquez vos races. Pas un deuxième. Et tu me vois ça pas là. Ça crispe toujours. Je peux rien faire avec ça. Puis paye ton dénivelé, quoi. Oh, elle est là-bas! Au pire, hein. Et ça vous suit. Allez, viens. Putain, j'ai pas raté. Hein. D'où tu sors, toi? Merde. Je raterris sur lui, là j'ai aucun dégât. Ton cœur, il faut viser là.
ta même heure aussi. C'est mal, c'est vrai. Je voulais juste visiter quoi, putain. Tu peux pas looter ? Tout ça pour ça. Et le connard, il est où là ? Voilà qu'il me chasse. Oh vorace, putain, je vais suivre le chemin. Hein. Je crois que. Moi je voulais juste visiter, au final je me tape deux putains d'aigles. Putain quoi. Oh, c'est encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pense que je vais en chier à partir de maintenant. Avec ce joli pénis en pierre. Doucement là, mais putain! Elle est malade! Qui fait ça quoi? Hot pat. Une dinde. Quoi? Non, derrière toi? Oh, fais chier. C'est bestiaux quoi. Au pire, peut-être que si j'arrive. Je capte un autre signal. Pardon ? Cours, mais cours. T'arrêtes plus jamais. Hein. Grosse dinde. Fighter, grosse dinde. Bah tu stuns en fait. Je peux m'en sortir. Hein? Ah, j'ai plus de place. Oh non. Faut que je me planque avant. Voilà, planque-toi. Et j'ai pas compris ce que le jeu m'a dit. Donc on va faire ça. Hein. Ça, on s'en fout. C'est quoi ça? On s'en fout aussi. Et truc de flèche par contre. Clairement que oui. Un sac de potion, ouais aussi. Merci bien. Ok, inventaire, donc là. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Décomposer. Je crois que j'ai beaucoup. Ok, super. Et décomposer, ça fait quoi en fait là? Ça fait des putains d'éclats. Ok, c'est chiant en fait. C'est très très chiant. Hein? Ah d'accord. Au moins il y a un feu de camp juste à côté. Donc la sauvegarde. Putain, il y a un village. Il y a des grosses dindes au loin. Merde, c'est quoi ça? Attends. Trois carapateurs. C'est un oiseau ça.
Ouais, j'aimerais bien y aller, mais ça commence à être tendu cette histoire. Oh, c'est trop beau! Ça, c'est quoi? Je suis trop loin. Par contre, j'ai besoin de viande. Pas eu le temps de souffrir, ça. Et pourquoi j'irai là en fait? Je crois que je vais d'abord aller au village, faut que j'ai un peu de temps, il n'y a que 11 minutes de vidéo, donc sans tomber et mourir. Bon, de toute façon j'ai sauvegardé donc. Pas d'entourloupe, étrangère. TKT. N'ai jamais partagé mon pas avec. On sauvegarde. Donc y'a quoi ici en fait Rien de ouf quoi. Pardon, tu disais. Ne me demande pas où aller si tu es perdu. Je suis pas le crieur public. Ok, tout ça sert à rien. Ah, une longue vue. On peut pas. Tant pis. Direction ma grosse bête. Par contre, ouais, là-bas il y avait les trucs. On va essayer d'esquiver quand même ces trois carapates là. Voilà, et l'oiseau. C'est quoi cette merde? Je suis toujours trop loin. Putain, déconnez pas. Putain, level 20. Le voilà. Un autre grand coup. C'est super risqué là. C'est trop risqué là. Non, non. Je suis désolé, mais je me pisse dessus, j'avoue. Mais. Des level 20, je suis que level 16. Attends, j'ai là. Il faudrait que je monte là. Ça, ça va me faire chier. Ouais, non. So hardcore. Par contre, là-bas, c'est quoi? Toujours trop loin. Je viens de le faire, ça. C'est des gens. Pas parler, d'accord. Par contre, c'est magnifique, hein. Ah, c'est sublime. Mais je peux pas les pirater, je crois. Ah si. Oh, c'est trop stylé. Allez go. Par contre, calme tes cuisses. Putain, tout c'est on met le marqueur et puis on va suivre le chemin en fait. En fin de compte, on va faire le truc.
contre, je sais pas comment on pirate mieux, c'est chiant. C'est chiant. Ok, calme-toi. Charmant. Ça, ça rend le truc encore plus épique, quoi. Ah non, c'est l'autre manche à couilles là, non, ça va. Attends. Tac. Je dois tenir bon dans la tempête. Alors là, no way. Va pas vers lui. Putain. Y'en a d'autres des trucs comme ça là ou... Ah putain. Non, avance. Reste tranquille. Salut les gars. Tout va bien. Pousse-toi, merci. Là, ça passe, mais juste. C'est vrai que ça allait bugger. C'est une aura, pas vrai? Ouais, c'est ça ta gueule. En vrai, je suis choqué parce que c'est la première fois dans cette map que je trouve un truc tranquille, quoi. J'ai assez monté cet engin. Ok. T'es sympa. Très sympa. J'ai l'impression d'être dans The Witcher 3, mais 5 millions plus tard. Salut. Croyez que Méridion est ouvert à tous les Karjas. On l'appelle Rougemort. Et personne n'a encore réussi. Si des machines, des bandits essaient de passer. Qu'est-ce qui se passe ici? Olin est à l'intérieur, quelque part. C'est putain Eren aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Oh, c'est trop beau. Eren a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Juste envie de faire un truc. Votre tenue, elle est stylée ou pas? Brave noir. Et est-ce qu'on peut la modifier? Tissu anti-gel. Oh, c'est stylé ça. Anti-feu, anti-attaque de mêlée. C'est beau. Et voilà, elle a pas un truc au milieu du visage. Un vrai massacre, c'est incroyable. Oh, c'est magnifique, putain. Si ça continue, je serai ruiné d'ici un mois. Putain, il y a même des trottoirs, j'ai même pas fait gaffe. Et toujours les marchands qui trinquent. Un pénis géant. C'est magnifique. Les égouts, putain. C'est vénère. Ok. Il a pas l'air content. Ne bougez plus. Okay. Suite à la récente attaque,
Aucun étranger ne pénètre dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque ? Mais de quoi tu parles ? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattue par les Karja de l'ombre au col de la Crête Rouge. Ersa ? La sœur d'Erend a été tuée ? Parce que toi, tu connais Erend ? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil ? T'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! T'es venu à Méridian, rien que pour me voir ? Tu bois ces temps-ci ? Pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Parle. Alors, vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait ? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je suis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. Alors reprends-toi un peu et essaie de suivre son exemple. Merci pour le soutien psychologique. Ça arrive à tout le monde de perdre quelqu'un. Pleurer n'y changera rien. T'en fais pas. Je risque plus de pleurer après ça. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village. On a entendu des explosions. Dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Olin. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Il faut que je trouve Olin. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non. C'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Olin les a aidés. Mais... je... c'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés ? Une maison, à Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Il faut que j'aille chez Olin. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Et on tombe sur le mec que je déteste, moitié bourré, super sympa. Ça sent le planque. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. C'est con, ça. Par contre, je roule du cul vénère. Ah la vache, elle a monté droite. Payez un courant. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien ? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même ! Dégagez de là, ou je vous démonte tous à coups de pied ! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa ?
Bon, comment on fait pour entrer? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Okay. À part la porte. Tous ces trucs. Donc là, un seul homme. On sait qu'il a ça pété. Ça bien les relations à la cour du Roi Soleil. Voyons ce que ça cache. Hey, qu'est-ce que ça fait là? Rect. Ma vraie question, c'est comment l'ouvrir? Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au sérum indestructible. C'est ce qu'on va voir. Je peux pas fouiller un peu quand même? Genre, j'ai trouvé le truc direct. Abandonne, fillette. Intéressant, et ça? Et si aussi il a pété un truc, on dirait. On dirait une photo de la famille Dolin. Ah putain. Ben. On dirait une photo de la famille Dolin. Ok, là, y'a rien... rien de ouf. Trouve un moyen de forcer la trappe. Ok. Ok. Hein? Non, j'ai pas envie de te parler. Qu'est-ce que je... Bah perso moi j'aurais fait ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est forcément à l'étage. Pas vu. Ça fait beaucoup de métal. Ça pourrait m'être utile. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Eh ben, on va l'aider un peu. Let's go. Ah, ok, faut que... J'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles? Indestructible, tu m'avais dit. On va prendre les escaliers, hein. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils? Qui ça, ils? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. Olin tenait un journal. Olin? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait mon ami. Sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais? Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul? Où? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Garchas de l'Ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement.
Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crête Rouge? Je vais voir ce que je peux faire. Ok, franchement, le truc là de... Il a bien niqué l'ambiance, hein. On sait pourquoi il est impliqué là-dedans. Pousse-toi. Merci. Entrée au lean. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je suis paumé, c'est très bien. C'est pas de point de sauvegarde par contre. Ça, on verra ça en off. Ça aussi. Y a pas de... Si, y a un feu. Putain, tous ces vendeurs. Allô, au feu de camp. Ok, normalement. Ici. J'aimerais profiter de cette opportunité. Donc là, enfin, l'histoire commence à bien bouger. Il y a des pertes un petit peu de partout, c'est plutôt sympa. Nouvelle map magnifique. Et par contre, j'ai pas le niveau, c'est bizarre. Parce que les levels étaient de 24. Je suis que level 16. Peut-être un petit farm en off. Et puis, ouais, ça commence à bien bouger. Plutôt sympa. Sur ce, on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!